club des internationaux qui regroupe tous les internationaux équipe de France A, ainsi que les entraîneurs ayant entraîné les équipes A. Donc voilà le club en quelques mots, il est fort d'environ 150 internationaux permanents. On s'est aperçu depuis de longues années que les internationaux étaient très inactifs, entre guillemets, auprès des instances du basket. Et donc nous avons voulu associer les internationaux aux événements, être les premiers supporters des équipes de France et surtout organiser des rencontres conviviales lors de ces événements pour faire vivre le basket français. On s'est dit, on ne peut pas rester non plus inactif auprès de gens, d'anciens internationaux qui auraient des difficultés pour leur reconversion, qui souhaiteraient travailler sur un réseau relationnel pour mieux organiser leur vie d'après. Et surtout, nous souhaitons aussi apporter notre aide à de jeunes espoirs et être présents, bien sûr, dans les événements de vie de chacun. Et surtout, maintenant, nous avons les moyens de soutenir certaines associations caritatives auprès de nos internationaux et d'intervenir dans les pôles espoirs tout ce qui est préventif concernant eh bien, la troisième mi-temps. L'alcool peut faire des dégâts, la drogue est gênante, le dopage est gênant. Donc voilà quelques exemples. Mais surtout, nous voulons être solidaires avec notre réseau et être capables d'aider des gens qui en auraient besoin. Donc il nous a pensé indispensable que les générations se croisent et se connaissent, sachant que les carrières des uns et des autres ont été tout aussi impressionnantes et que les futures carrières de nos internationaux seront, on l'espère, impressionnantes. Donc ça commence par la remise des maillots lors d'un événement international. Ça se poursuit aussi par la remise des hommages aux légendes du basket. Et surtout, nous avons fait vivre l'histoire du basket au travers des vidéos qui ont été tournées sur tous les grands joueurs et qui continueront à alimenter la bibliothèque des internationaux, ainsi que des trading cards aux joueurs exemplaires en mixant un jeune joueur ou une jeune joueuse avec un ancien, un plus ancien, dirons-nous. En ce qui concerne la région Rhône-Alpes, nous avons donc 41 à peu près internationaux en vie et actifs dans notre club. Le plus ancien a 94 ans, c'est Jackie De Seyne qui est à Bellegarde avec une carrière impressionnante. Si vous voulez regarder son palmarès sur internet, vous serez servi. Donc bien sûr, ces internationaux présents sont à l'écoute de ce qui se passe aussi bien auprès des jeunes, des futurs potentiels, et sur ce point-là, nous sommes capables d'attribuer à des potentiels remarqués des bourses pour les accompagner dans le cas de difficultés familiales. Donc vous voyez que le club, bien sûr, le club s'amuse avec les anciens internationaux, mais il est aussi capable d'apporter un peu d'aide aux gens qui en auraient besoin, toujours dans l'objectif que le basket grandisse avec des joueurs de bon niveau dans notre région.